Tout d'abord, j'ai été flatté. J'ai été flatté, pourquoi ? Ben parce que c'est toujours agréable de savoir que 20 ans après, on marque des gens que d'ailleurs soi-même, on a complètement oublié. Je ne savais même plus qu'ils existaient, mais eux se souviennent encore de moi. C'est flatteur. Savoir que pour certaines catégories de personnes, je suis catégorisé comme je suis l'antéchrist, c'est sympa aussi, c'est flatteur. Et surtout, savoir que le fait que pour certaines personnes, avoir essayé de nous combattre, de me combattre, il y a 20 ans, est un acte assez glorieux pour que, à leurs yeux, ça mérite d'entretenir la flamme de la mémoire par un reportage. Alors là, non seulement c'est extrêmement flatteur, mais je suis même touché. Si j'ai accepté d'être interviewé, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que comme tout bon citoyen français, je me dois de lutter contre le révisionnisme. Et donc quand j'ai vu ce DVD, c'est vrai qu'il y a tellement d'absurdités que ça en devenait à la base ridicule et ensuite énervant. Mais sinon, je trouve pathétique de parler de combats d'il y a 20 ans. Ce trip d'anciens combattants, je trouve un peu ridicule aussi. On me parle d'histoires d'il y a 20 ans, d'anecdotes, de légendes urbaines que personne d'autre qu'eux-mêmes ne connaissent pendant des heures. Et on ne parle pas de quelque chose d'intéressant, c'est que sont devenus tous ces cas sociaux. Tout s'est décalé, tout s'est raté. Non, pas un mot. Et je me pose la question, pourquoi ? Et la seule réponse qui me vient, c'est parce que sûrement, évidemment, il n'y a rien à dire. C'est un mouvement qui, bien sûr, qui émerge en Angleterre, déboule en France, débarque en France en fin 78-79, et arrive à un moment crucial dans le mouvement punk. À ce moment-là, le mouvement punk se scinde en deux parties. La première partie, c'est les crasseux, enfin du groupe crasse. Ils vivent essentiellement en communauté, enfin ils montent des communautés, des squats, où qu'ils développent économiquement, et développent une idéologie qu'on pourrait dire post-baba. D'un autre côté, d'autres punks, plus nihilistes, se refusent à rentrer dans ce carcan et préfèrent la violence. Pour se différencier, ils se rasent le crâne et adoptent une nouvelle tendance, le skinhead. On peut résumer ainsi l'arrivée du mouvement skinhead en France. Le mouvement skinhead est intéressant parce qu'il est en opposition totale. Il se marie bien avec ses nihilistes parce que, comme je dis, en opposition totale, il est nationaliste. La tendance du moment étant du post-baba, et c'est vrai que ça fait une opposition. Elle peut se comprendre historiquement, parce que les trois quarts de ces punks ont été emmerdés, à cause de leur look, dans les banlieues, par les jeunes des cités. Certains ont accepté et sont mis à squatter en baba, d'autres ont refusé et ont commencé à se battre. Donc ils se sont mariés aisément avec l'idéologie patriotique et nationaliste. Oui, c'est vrai, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait eu des problèmes de racisme et même des bagarres dans ce cadre-là, mais il faut comprendre un peu plus notre façon de penser. Nous sommes souvent constitués de jeunes, comme je disais tout à l'heure, qui ont eu de gros problèmes dans les banlieues, dans la vie, en boîte de nuit, avec leurs amis, et qui ont décidé de se défendre. Et dans ce cadre-là, comme ils se défendaient, ils se battaient, et les Zoulous, les Rebeux, les Blacks, eux aussi cherchaient à se venger, à faire des représailles. Et de représailles en représailles, on s'est fait une guerre de rien. Certains nous disent que le mouvement skin, à ses origines, ne serait pas nationaliste et qu'on l'aurait corrompu, perverti. Ils nous refont encore une histoire. Déjà, si on connaît les Anglais, on sait qu'historiquement, ce sont toujours des patriotes, de gauche ou de droite, qui sont souvent nationalistes et qu'il ne faut surtout pas cracher sur leur drapeau. Donc, si on rajoute à ça des gens qui vont dans les matchs de football, qui ont un sentiment identitaire fort, qui affirment leur côté prolo, working class, comme on dit, par une tenue vestimentaire caricaturale, Doc Martens, Donkey Coat, Combi, etc., on arrive vraiment au skin. Mais quoi qu'il en soit, et quand bien même, quelle importance ? Qui connaît les skins des années 60 ? Tout le monde s'en branle.
Quand on parle à quelqu'un dans la rue des skins, on parle du skin nationaliste. Le red skin, le machin, le sharp, le slope, le je sais pas quoi, n'importe quoi. Tout le monde s'en tape de ces abréviations de con. Un skin, c'est un skin. Et qui est-ce qui a donné ses lettres de noblesse, son honneur au mouvement skin? Ce sont les nationalistes. Un point, c'est tout. En août 1983, j'ai participé à un stage de survie au Pays de Galles. Et c'est là où j'ai rencontré tout d'abord les membres de la Ligue de Garde, qui était le service d'ordre du British World. Et ensuite, le week-end, sont arrivés des skins londoniens qui ont passé la fin du stage avec nous. Comme après, je devais rentrer sur Londres pour prendre mon train et repartir sur la France, ils m'ont proposé de me ramener du Pays de Galles jusqu'à Londres. Donc j'ai passé plusieurs heures avec eux dans un camion de déménagement qu'ils avaient loué pour la circonstance, où dans laquelle ils avaient aussi installé un ghetto blaster qui jouait de la musique skin. Musique skin qu'à l'époque je ne connaissais pas du tout, puisque j'étais surtout fan de hard rock. Et ils ont répondu très gentiment à mes questions, savoir ce que c'était la musique skin, savoir qu'est-ce que c'était le mouvement skin, qu'en fait je ne connaissais que de Willy et de ce que j'avais pu lire dans la presse nationaliste. Tous les skins d'Europe à l'époque avaient les yeux fixés vers l'Angleterre. Hein. C'était notre mec à nous. C'est là où j'ai acheté mes premières docks, parce qu'avant j'avais des Rangers. Et en fait, le deuxième jour de ma carrière en tant que skin, j'ai assisté à mon premier concert rock avec Screwdriver, Brutal Attack, Public Enemy et The Arts. Skin était au minimum patriotique. Et cette notion d'apolitisme n'existait pas. Pour dire le contraire, ce serait un mensonge. D'ailleurs, pour être skin, ça faisait partie du kit. Il fallait des cheveux les plus courts possibles, des chaussures le plus hautes possibles, des pantalons encore plus courts, un blouson vert ou noir, des t-shirts avec des slogans les plus provocateurs imaginables, et aussi, bien sûr, aimer son pays. Ce mouvement skin arrive en France en 79, essentiellement dans deux, trois grandes villes, Paris d'abord, Marseille ensuite, je crois qu'il y en avait à Lyon, puis ensuite ça s'est propagé vers Le Havre et puis d'autres villes, Lille, enfin, des montagnes d'autres villes, petit à petit. Mais c'est d'abord un phénomène de bande, de gang, très restreint. Moi j'ai découvert ça par rapport au football, parce que bah, y avait des... À Lille, depuis 84, il y avait des supporters de foot qui étaient plutôt calqués sur le modèle anglais. Donc les mecs étaient plutôt en bomber, sans doc, tout ça. Et puis moi, à l'école, il y avait un mec qui allait là et puis qui était venu me prendre à partie parce que j'avais une écharpe un peu particulière. Donc, j'étais gamin à l'époque. Hein. Et puis donc, il m'a dit « viens au foot » et tout. Puis donc, j'ai découvert ça un peu comme ça. Donc ça m'a plu, j'ai commencé à adopter le look. Bon, clairement, il n'y avait pas d'idée prédéfinie ou d'embrigadement de telle ou telle partie, comme on l'a tant dit, comme on l'a souvent dit. Je n'estime pas avoir été manipulé par qui que ce soit, voilà, quoi, c'est venu tout doucement. J'ai commencé, j'ai aimé le délire. Bon, effectivement, il y avait le côté provocant, il y avait le côté violent. C'était les copains, c'était la fête, c'était, ouais, on était un groupe, on était une communauté. J'avais 13-14 ans, j'étais que pont et je passais dans la rue, je suis tombé sur celui qui a mené le skin dans la région, qui m'a regardé en rigolant, plutôt goguenard.
sans animosité finalement. Pour lui, j'étais un gamin, quoi. Il avait 20 ans, il n'a pas abusé de sa force. Il m'a regardé goguenard et il m'a dit... ouais, pourquoi t'es que pont. Et sur dans mon sac, j'avais un disque des Cockney Rejects. Il m'a dit, mais pourtant t'écoutes de ça. Et puis bon, il m'a appelé, il m'a dit, si tu veux, on peut se revoir. J'ai rencontré donc les quelques nosques qui étaient du coin. Ils étaient 2-3, parce que c'était tout au début, c'était dans les années 83-84, et j'ai commencé à sympathiser avec eux, et c'est comme ça que j'ai été amené à réfléchir sur l'état d'esprit des bandes. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore cette divergence Quepon, Nosk, et ainsi de suite. Avec un collègue, là, on a vu des reportages, 87, quoi, hein. On s'est rasé la boue, on s'est acheté des bombers, des docks. Il faut dire que c'était une époque de bandes. Il y avait un peu de tout, New Wave, Cold, Bad Kev, Psycho, Punk. Comme nous, on avait un peu des... Enfin, on voulait sortir un peu du côté look et simplement musical. Bah, le côté skin, c'était... Ça ne correspondait plus. Il y a sur Paris, au début des années 80, quand je rencontrais ce mouvement et que je l'ai suivi, il y avait 4 bandes principales. La première était Oal. La deuxième à Bonsergent, la troisième à Tolbiac et la quatrième à Saint-Michel. Je suis allé directement au Hall comme tout le monde, parce que d'abord c'est central quand on vient de banlieue. Je venais de Bagnolet. Je suis arrivé au Hall, j'ai rencontré les skins des Halles. Ils m'ont pas particulièrement plu, ils étaient très axés sur une vie underground dure, c'est-à-dire les squats, la survie. Et c'était pas tout à fait mon idéal. Amour. Le bien nommé. Amour avant. Amour après. Bien. Je me souviens, à l'époque, lui qui parle d'honneur de la rue, de bande, etc., a eu la malchance de rencontrer des skins nationalistes et de finir poignardé. Ça ne l'a pas empêché, une fois qu'il est sorti de l'hôpital, de porter plainte, de les reconnaître à la police et à la justice sans aucun problème. Son pseudo, son surnom n'est pas innocent. On l'appelle Amour parce que... Et lui-même ne l'a jamais vraiment accepté. C'est un homosexuel refoulé, tout le monde le sait, même plus que refoulé, mais il ne l'a jamais accepté. Un autre encore, le skin préhistorique, Farid, qui un jour levait le bras, un autre jour parlait d'identité berbère, nous prouve par là qu'il a un grave problème d'identité. D'ailleurs, qu'il a mené à une toxicomanie lourde et dans l'état où il est actuellement au bout de 20 ans. D'ailleurs, dans l'anecdote, il est amusant de voir que dans le même DVD, il interviewe et le montre en train de se faire shooter par un JNR. Parce que le mec en blanc qui se fait shooter par un pote à moi, Franck en l'occurrence, c'est lui. C'est pas très sympa pour lui, il voit pas tellement l'intérêt. Mais enfin bon, ils ont une logique qui n'est pas tout à fait la même que la... Moi, j'avais une perception plus anglaise, plus propre, plus militante. Ça n'empêchait pas que les skins des Halles étaient des gens reconnus pour leur violence et leur provocation. Mais ça, c'était une part inhérente. Je suis allé vers Saint-Michel, où ils étaient un peu plus sympas, mais à l'époque, ils étaient mariés beaucoup avec les punks. La plupart des skins, à l'époque, venaient généralement du mouvement punk. Je dirais 95% des skins français de l'époque, c'était des anciens punks. C'est pour ça que là où on rencontrait des skins, en fait, on rencontrait aussi généralement des punks, c'est-à-dire que le plus gros rassemblement de l'époque skin dont je me rappelle, c'était le Chaos Festival qui avait lieu à Orléans en octobre 84. Et c'est là où on avait vu débarquer 400 skins et à peu près tout ce que la France comptait de skins et 150 punks plus une vingtaine de Hells Angels, à l'époque c'était des damnés quoi, qui faisaient la réunion. Je suis dans le mouvement depuis 1984. Au début punk, par rapport parce que je connaissais quelqu'un par rapport à la musique. Et puis après, ça a évolué sur le mouvement, sur la Hoy et après le rack. On avait un espèce de conglomérat de skin et de punk qui m'a fortement déplu. Donc j'ai pris quelques skins, je suis parti à Gambetta, former ma propre bande uniquement de skins, parce que je,
je percevais mal le mariage des deux. Je pensais qu'on passait pour, on était noyé par les punks et qu'on serait assimilés à des espèces de squatteurs hirsutes et pas du tout comme des militants nationalistes d'une nouvelle vague avec un concept nouveau qui était la musique, le look et toute une sous-culture. Moi, à mon époque, enfin, quand on était skin, on était au moins nationaliste, quoi. Être skin, à l'époque, c'était une provocation. Provocare amener une réaction. Donc, lorsqu'on allait dans les balles, qu'on faisait, et ben finalement, on se prenait toujours, il y avait toujours les trois pimpins du coin qui venaient pour tester, il y avait toujours le groupe d'arabes qui débarquait, ou le groupe de gitans, et ben généralement, il y avait action-réaction. Il faut voir que sur le revêtement, en vérité, qu'est-ce qu'on choisissait, on voulait quelqu'un qui soit amusant, parce que quand à 20 ans, on a besoin de rire, quelqu'un de dynamique, parce que ben, on est agité. On avait besoin de quelqu'un qui, comme on était violent, qui sache se défendre. Parce que notre démarche dans la rue est une démarche de violence, il ne faut pas se leurrer. Et puis il fallait quelqu'un qui ne balance pas la police, qui soit solide. Donc, parce que c'est. Au début des années 80, c'était particulièrement déshonorant si tu balançais quelqu'un ou si tu portais plainte, tu ne pouvais pas revenir dans le groupe. On est dans un quartier, il faut voir que le mouvement skin, au début des années 80, c'est un mouvement de rue, véritablement, on tient des quartiers. Les Halles, Saint-Michel, Tolbiac, Mont-Sergent, plus tard Pasteur. Ce sont donc des quartiers très définis. Moi, j'étais de la Fontaine Saint-Michel jusqu'au début de la rue d'Assas. Ouais, c'était notre petit territoire à nous. J'ai été skin en 82. On était une bande de potes à Pasteur. Bon, après, je suis parti à l'armée. En sortant de l'armée, j'ai continué à traîner un peu. Après, je suis rentré au JNR. J'étais nationaliste avant tout, et j'aimais bien ce truc-là, et voilà. Une fois qu'on a réussi à se former, nous sommes revenus sur Saint-Michel, où on a fait une épuration non pas ethnique, mais plus éthique, c'est-à-dire qu'on a viré les toxicos, les squatteurs, les hirsutes, les babas, les lucrates milk, les anciens béroriers noirs, toutes ces tas de merde, à coups de pied, et on s'est installé là. Au même moment, en 83, par décision, on a décidé que les skins ne devaient pas être avec les punks, je parle pour ma bande, bien sûr, hein, et qu'ils devraient s'installer dans un combat politique visible. Donc on a commencé à attaquer les manifestations, quand je dis attaquer, c'est s'y rendre, et même se battre contre les forces de l'ordre ou contre nos opposants. Et à partir de 83, on voit avec Devaquet et puis d'autres manifestations, dans les mouvements nationalistes et dans les manifestations d'extrême droite et nationalistes, des skins, nous en l'occurrence. C'était fait pour marquer. Dans Libération, on commençait à en parler, dans les radios. Au même moment, on investit toujours par volonté de paraître, d'exister. Le Parc des Princes, et on crée comme ça un mouvement qui deviendra plus, qui se formera, qui sera beaucoup plus hooligan après, mais dont on est initiateur. Donc quand on parle de bande, on voit que déjà on a une perception qui n'est pas uniquement de gang, mais avec une idéologie, une volonté de communication. Vous faites quoi la loi au parc? Ici, c'est français, c'est pas socialiste, c'est pas le gouvernement qui règne ici. La personne qui était notre représentation à la télé, ça, il faut le reconnaître, c'est Serge Batskin, quoi. Je n'ai jamais rencontré le personnage, je n'ai jamais, jamais discuté avec lui, mais on peut dire une chose, c'est à cette époque, quand on voit Serge passer à la télé, c'est celui qui donne une impulsion, quoi. Il n'y a jamais eu de philosophe chez nous. Mais il avait un côté qui était une vitrine. C'était un gars, il savait parler, son corps était massif, il était, c'était une forteresse. Dans son esprit, c'était un temple. Il avait une dialectique qui était parfaite. On œuvre à la construction du mouvement, à la construction de la France et de l'Europe nouvelle, normalement. Mais c'est vrai qu'on cherche surtout une vie différente. Une vie hors de celle des autres, hors du commun. Parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à prendre une conscience politique et se dire, est-ce qu'on est fait juste pour s'amuser, boire des bières, se tanner, se chamailler, se chicorer avec les quelques pélos du coin, ou on est fait pour avoir plus? Et c'est à ce moment-là
on peut dire que commence l'idéalisme. Et je pense, je me souviens très bien du reportage qu'il y avait eu chez lui, où bien entendu les journalistes filmaient tous les livres qui pouvaient être tendancieux pour eux, mais on voyait surgir des livres comme Mishima, comme Sandrard et tout. Et véritablement, je pense que c'est le déclic de la prise de conscience du spirituel, du politique sur ce qu'était notre vie. Ce mouvement se politise, se fait reconnaître. C'est aussi un mouvement de provocation, c'est un mouvement de violence, donc c'est un mouvement en guerre. Alors, pour te citer rapidement, c'est le mouvement skin que j'ai connu, c'est une somme de guerre. Alors, il y a eu d'abord contre les mods, on s'est battu dans les années 80 contre les mods, parce que le mouvement skin est issu du mouvement mods, il fallait faire une coupure. Pour nous, on les considérait comme des petits bourgeois rognant leur catégorie sociale, c'est-à-dire la working class, la classe travailleuse dont nous étions issus. Ensuite, on s'est attaqué aux punks pour dire nous ne sommes pas des punks, contrairement à ce que pourraient penser les gens à cause de notre musique. Et punk qui n'avait pas été suffisamment intelligent pour partir avant la fin du concert, s'était fait tout d'abord sortir avec perte et fracas par les damnés, et ensuite il s'était fait récupérer par les skins dehors. En 85, c'était aussi le début du mini phénomène Béruvier Noir. Il faut savoir que les choristes, danseuses, stripteaseuses des Béruvier Noir, c'était des grossesses de Tours. Donc en fait, Les deux gars des Beru venaient souvent sur Tours, parce qu'ils connaissaient pas mal le mec. Et à l'époque, moi, j'étais pas là, mais mes potes qui étaient toujours sur Tours ont eu l'occasion à plusieurs reprises de discuter avec eux. Il n'y a jamais eu d'embrouille, quoi. Hein. Les gars ont jamais dit nous, les skins, on va tous les exploser, quoi. Je sais pas pourquoi. Quand ils étaient que deux, ça allait tout seul, quoi. Ils étaient assez sympas. Quand ils passaient des concerts dans la région, comme des concerts Punk Canard, tout ce qu'on veut, généralement, on y allait pour foutre le voix et pour montrer qu'on était là. Les Carayos à Valence, ils doivent en garder un très très bon souvenir. On a fait certains concerts où on a eu l'occasion de croiser le guitariste des Beru, où il a très vite couru. Les Nuclear Devices qui sont passés, eux aussi, ils ont, je pense qu'ils doivent s'en souvenir. On a pris la scène aussi d'assaut du concert des Frelons. Et un autre concert où le gros des garçons bouchés, on l'a fait courir, s'est réfugié dans la salle du concert. On commence à se battre contre des mouvements pseudo-organisés qui s'appellent alors à l'époque les punks autonomes, qui sont dans des centres autonomes occupés, KO, on comprend déjà la finesse du jeu de mots. Je me rappelle une assez mémorable bagarre à la fin d'un concert de Cornelis Tiford à Londres, qui avait été publié justement parce qu'on pouvait appeler à l'époque les Redskins, mais qui n'étaient pas des skins, c'était Red Action. C'était des mecs qui aussi voulaient casser la gueule à tous les skins. Quoi. Donc ils avaient 150 d'entre eux, avaient attendu les premiers skins qui étaient sortis pour aller prendre le métro. Ils les avaient attendus dans un coin, ils s'étaient bien planqués et ils les avaient bien explosés. Ça, il y a 150, il ne restait pas grand chose. Mais il y en avait un qui avait eu le temps de partir et qui est revenu à la salle de concert, qui a dit « Les mecs de Red Action sont ici ». Et là, tout le monde est sorti, et ça a été 10 minutes d'émeute. 10 minutes parce qu'on était à 500 mètres du premier commissariat. Donc après 10 minutes, on a eu le droit à 18 voitures de bobbies anglais remplies qui ont un peu séparé tout le monde. Donc on se bat contre eux, on se bat dans les squats jusqu'en 84. Et puis après, notre mouvement s'intensifie idéologiquement. Au même moment, on en finit avec... rapidement avec un autre mouvement que c'est l'hard rock, en 2-3 concerts c'est réglé, et puis on investit véritablement dans toute la partie idéologique et politique. À Lille, à cette même période, donc aux alentours de 1985, la scène était clairement radicale et clairement à droite, hein, on ne va pas chipoter. Et clairement, à partir de 85, on avait des gens qui militaient, des gens qui militaient au sein de groupuscules, de groupes, tels que le GUD, par exemple, ou encore le PNFE,
Et ces gens étaient clairement skinhead. Hein. En 86, c'était là où il y a eu c'était vraiment l'âge d'or du mouvement skid. C'est là où il y a eu le plus de groupes, le plus de fanzines qui sont sortis, 87. Et 87, 86, c'est aussi, pour moi, c'est une époque charnière. Et il y a un truc qui est encore plus charnière que tout, c'était la mort de Geno. C'était quand même quelqu'un qui motivait le mouvement. Et sa disparition a fait que beaucoup de gens ont un peu, non pas perdu la foi, mais ils ont dit, ah, après, regarde-moi ça, après on va finir comme lui, on va pas profiter, et puis on va se défendre, et puis après quand on va mourir, tout le monde s'en foutra. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah, ben, maintenant je vais passer à autre chose, quoi. J'ai arrêté un petit peu la provoque, et puis je vais devenir autre chose. Bon, c'est un peu ce qui m'est arrivé, hein. Moi j'ai continué à militer, à partir de... la mi-87, je faisais partie du mouvement Chouan, à la mi-87, et c'est là où j'ai arrêté d'être skin. Tu t'aperçois au bout d'un moment que tenir la rue, ça va être tenir le caniveau de la rue, ça ne sert strictement à rien. Comme tu as agité, que tu es volontaire, tu veux t'impliquer, tu apprends, tu t'éduques, et puis après tu veux militer, et en militant, tu essaies de rentrer dans des organisations qui sont capables de t'aider, de t'apporter ce que tu veux, et au niveau formation et au niveau action. Et puis surtout, tu recherches par toi-même la voie qui t'est propre. C'est la fin de la période festive. Donc à la période festive, on pense tous à peu près pareil. Quoi. Ouais, on pense pareil, on est homogène. À ce moment-là, on se pose pas des grandes crises politiques. On lit quelques auteurs qui passent entre nos mains, mais c'est pas une grande recherche. Et puis on commence à une certaine période à aller vers une conscience politique. On se trompe comme tout le monde, mais comme tout le monde, on fait des erreurs et c'est de l'erreur qu'on apprend. Il faut savoir que le membre d'une bande, quelle qu'elle soit, vit dans cette vie de rue, de bande, de groupe, de clan, 3, 4, 5 ans maximum pour les 95% de ses membres. Donc, si on regarde bien, ma génération, qui est celle des skins de 82-3, a dû arrêter naturellement vers 88. Il est évident qu'à ce moment-là, cette génération tonique, dont tout le monde avait entendu parler, s'épuise. Elle s'épuise, pourquoi ? Parce qu'elle se marie, elle travaille, elle va en prison, certains meurent, enfin, des montagnes, la vie, quoi. Elle est remplacée par une jeune génération, ce qui est normal, parfois même un peu trop jeune. Et d'ailleurs, une génération qui arrive de façon spontanée, en masse, qu'on ne peut plus maîtriser. Avec la mode et l'explosion du mouvement skin, que d'ailleurs, je tiens à signaler, Jean-Paul Gaultier lui-même a relayé et a détourné, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Ça prouve bien que la mode skin était vraiment large. À part ce moment-là, les Doc Martens, les Fred Perry, les Bombers et tous les attributs des skins ont été vendus en commerce. Donc tout le monde pouvait les acheter. Les skins, les étudiants, les babas, les bobos et même les anti-skins. Ils ont le crâne rasé, ils vivent en bande, parfois un blouson noir et des tatouages sur leurs bras musclés. On les appelle les skinheads. 120 skinheads ont semé la terreur. Près de 200 skinheads convergeaient vers Brest. Les auteurs de ces violentes agressions, des skinheads... Skinhead, ce terme paraît barbare, il signifie en anglais crâne rasé. Ces groupes de skinheads... Huit skinheads ont été condamnés à des peines de prison. Les skinheads font parler d'eux de temps en temps lors de raids ou de bagarres. Environ 300 skinheads et autres hooligans. Ouais, eh bien ce sont trois skinheads. Un reportage sur les skinheads. Skinheads veut dire littéralement tête de peau. Vous savez, moi j'ai 50 ans, ça me fait peur, hein. Autant qu'à beaucoup de gens, hein. Ça fait peur, hein, de nos jours. Toutes les bandes parisiennes, tout l'underground parisien et français vivaient autour du mouvement skin. On était skin, anti-skin, pro-skin, skinisant, skinisé, skinifiable. En fin de compte, tout tournait autour de ce point de fixation. Et d'ailleurs, naturellement, sont nés des mouvements contre, qui sont, en fin de compte, des avatars du mouvement skin lui-même. La rue est un terrain
hein, au même titre que les urnes. Et nous, on est des gens qui avons vécu dans la rue et qui, par conséquent, l'avons à cœur et ne comptons pas leur abandonner. Ce personnage est antisioniste. Pourquoi pas ? Mais, comme je vous le dis, c'est totalement en contre de ses origines. Et d'ailleurs, il est même en opposition avec certains membres de sa famille qui sont des membres de Ligue de défense juive. Je me souviens, toujours sans anecdote, mais ces anecdotes dont ils sont très friands, qui à mon avis constituent toute leur vie, je me souviens que quelqu'un de mes connaissances faisait rebondir sa tête contre les marches de l'Élysée-Montmartre. Vous pourrez demander à Sergio, qui était témoin. D'ailleurs, ce personnage, ce skin qui s'amusait avec sa tête au milieu de ses amis, je l'ai moi-même fracassé peu de temps après, ce qui prouve un peu la vigueur du personnage. Et d'ailleurs, ce skin qui l'a frappé, il n'a jamais subi de réplique, de retour de coup de bâton, rien. L'oubli. Ah, mon ami Jeff, lui je le connais bien. Alors je me souviens, il y a longtemps, je me promenais au hall, parce qu'il est intéressant, parce que lui aussi a un léger problème d'identité. Lui, je le connais bien. Je me promenais au hall, c'était rigolo, il avait une main sur son col et une autre sur sa poche. Je me suis demandé pourquoi, j'ai compris, sur le col il y avait une étoile rouge et noire, et sur la poche un drapeau URSS. Donc je l'ai coursé, je l'ai rattrapé. Quand je l'ai rattrapé, il tapait à un interphone dans une porte cochère pour qu'on lui ouvre désespérément. On est quand même assez loin de l'aspect guerrier, hein, toujours. On est plutôt dans l'aspect coureur, ou victime, ou gibier, mais pas tellement dans le chasseur. Alors que quand il voit que personne ne lui répond, le pauvre, qu'il est abandonné de tous, il sort en tremblant une bombe lacrymo. Et je lui dis, ben, serre-toi-en, après je te tue. Il appuie sur la bombe, et elle ne marche pas. J'ai toujours eu du cul. Il se met à pleurer. Alors je lui dis, pour commencer, t'arraches tout ça. Bien sûr, il a arraché son patch, enlevé ses pins, et la police nous a arrêtés. C'était au hall, cette zone interdite, où je me promenais tranquillement tout seul. On est amené au commissariat, et les policiers, à l'époque, ne comprenaient pas. Ils nous posent cette question, maintenant vous vous battez entre skins ? Je fais, non, c'est un communiste. Et alors là, les flics éclatent de rire, maintenant des skins communistes, n'importe quoi. Mais lui était vraiment beaucoup plus impliqué. Il dit, non, pitié, ne me mettez pas dans la même cellule que lui. Restez avec moi. Alors les flics ont dit, tu n'es pas un skin, tu es une danseuse. Et donc ils sont restés, ils lui ont laissé une chance, on dit, vu qu'il ne portait pas plainte, parce qu'il a quand même été correct, ils lui ont dit, on te donne 5 minutes, après on le relâche, dépêche-toi. Il s'est dépêché. Si on analyse bien, à l'heure actuelle, je crois qu'il est incarcéré, d'ailleurs je ne crois pas, je suis absolument sûr qu'il est incarcéré à Nice pour agression raciste en récidive. Ça prouve bien qu'il n'a pas bien saisi son combat antiraciste et antifa. Hop, une seconde sur monsieur, il est sympa. J'ai un bon souvenir avec lui. Je l'ai croisé à Saint-Michel, on l'a embrouillé. Il était beaucoup moins guerrier, warrior, il était surtout rose de peur. Et au moment de se battre, il s'est battu, parce que ce sont des grands combattants. Il s'est jeté en l'air, je me souviens. Il a mis un coup de pied, c'est un truc étrange, sympa. D'ailleurs, c'est intéressant, je m'en souviens du coup. Et normalement, quand tu mets un coup de pied sauté, tu tapes la personne, je m'en souviens. Et puis la personne recule. Lui, il a une technique très spéciale, qui doit venir du fin fond de la Chine, ou de je ne sais où. C'est lui qui a reculé. Il est tombé par terre, on lui a demandé si c'était fait mal. Et il y avait des petits soubresauts. Voilà, c'est un souvenir, mais je ne connais pas bien, pas plus, on n'a pas eu le temps de discuter, on riait tellement. En fin de compte, ces anti-skins s'en sont pris à nos jeunes générations, ont opéré la sélection naturelle que nous ne pouvions plus opérer, et on ne s'en est pas plaint trop. Nous, d'ailleurs, n'avons que très peu été touchés. Quand je dis nous, ce sont les trois bandes principales de l'époque, c'est-à-dire le JNR, dont je faisais partie, le FIAP, qui était dans le 14e, et Chelsea. Donc j'étais skin fin des années 80, début des années 90. C'était un mouvement qui me plaisait, j'avais envie d'y adhérer. Quand j'entendais parler de Serge ou quand j'ai vu les trucs à la télé sur les skins qu'il y avait à Paris, ça m'a attiré tout de suite et j'ai voulu en faire partie. Quand je voyais les autres skins sur Paris, ils étaient pas cloîtrés ou ils étaient pas enfermés chez eux. Ils étaient dans la rue, on les voyait partout, ils étaient impressionnants. C'est des mecs qui assuraient, qui tenaient la route, qui étaient dans la rue. Et ça avait de la gueule pour l'époque, quoi. Si après un moment ou un autre, il n'y avait plus de skins dans la rue, c'est pas parce qu'ils ont été chassés, moi j'ai pas été chassé, les autres non plus, c'est parce que pour des raisons professionnelles ou familiales ou autres, on est parti ailleurs, vers d'autres choses et ça a changé. Nous organisons des événements,
Nous rentrons dans des mouvements politiques, nous gérons des locaux, nous avons des problèmes récurrents avec le système, qui est essentiellement dû à la police et à la justice. D'ailleurs, c'est ça, en vérité, notre principal ennemi. Ça n'a strictement plus rien à voir avec des punks crassés au fin fond d'un squat pourri. Nous avons décidé d'organiser des programmes politiques, d'organiser, pour le prouver, à partir de 1993, de nous insérer dans le système politique normal. Nous nous sommes même présentés aux élections législatives en 1993, et cela pour montrer à l'extrême gauche traditionnelle, qui nous méprisait en nous traitant de bandes de rue, nous leur avons montré ainsi que nous étions un mouvement politique conséquent, qui se présentait aux élections et qui avait même des voix, qui pouvait présenter à son peuple, à sa nation, son programme. Je n'ai pas persévéré, parce que sur des raisons personnelles, au bout d'un moment, j'avançais en âge. J'avais des contacts avec d'autres mouvements d'ampleur nationale. Et en rentrant donc plus dans le vif du sujet, je me suis aperçu que ça n'avançait pas. Alors, tout ce qui me restait, c'était tourner en rond, avec la tête qui tape contre les murs. Ça, c'était à mon avis pas positif. Et deuxièmement, il y avait un sens. J'ai toujours eu, et je l'avais dans le mouvement skin, la perception et l'envie de liberté. On s'imagine que parce qu'on a le crâne rasé, qu'on est tenu plus ou moins paramilitaire, on est liberticide. Absolument pas. On s'amuse, on rit, on pense comme on veut, il y a des montées de tendance, on s'explique. Il y a un sentiment de liberté dans ce mouvement que je ne retrouvais plus dans l'extrême droite française. Donc, officiellement, je m'insérais dans un mouvement d'ampleur nationale, ou sinon je dégageais. Quand j'ai vu ce qu'était ce mouvement national, je préférais dégager. À une certaine époque, on croyait que le mot « droite » ou tout ce qui se rattache à la droite, c'était ce que l'on pensait. Et pour nous, ça a posé problème, parce que des fois, on s'est trompé de maison. On s'est trompé de vision, on a fait un peu du collage, un peu pour des gens qui finalement, on les arrangeait bien, on leur a fait un peu leur service d'ordre. Je pense que quand eux, ils allaient manger au restaurant après, que nous, on nous filait de la thune pour aller au McDo bouffer des hamburgers, c'était... la culture. c'était ce qu'on appelait, on a été vaguement manipulés. Mais... ça, tout vient de notre faute, parce que c'était notre manque de culture, notre manque de connaissances et notre trop grande confiance en nous qui nous a amené. On ne peut pas en vouloir à des gens d'avoir profité de nous, puisque nous leur avons laissé profiter de nous. Cette société, c'était peut-être pas la bonne. Ce qui fait que j'ai emprunté la voie dans laquelle je suis, qui pour moi n'est pas une voie ni de droite ni de gauche, mais plus une autre voie. A contrario, nos amis Redskins n'ont jamais même fourni un tract, un programme, rien. Si, ils vont boire des bières au fond des bars, discutailler des heures sur Internet. On s'aperçoit que quand ils sont en nombre, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est des enfants suivis par une horde de punks à chiens qui les collent comme la merde au cul. Bon, c'est pas vraiment un grand danger. Badskin s'est fait shooter par papy. Ils ont enfants, hein. Et on shootait dans leur crâne comme si c'était un sport balle à LA ou à sanglier. On écrasait leur petite tête comme dans un cendrier. Le plus volubile, le plus agité, le plus petit aussi. Kim. Et ce que je vais dire là, je le dis sans méchanceté. Il a un grave problème d'identité, et c'est normal, c'est évident. Il a été acheté en solde au Vietnam par des petits-parents riches qui l'ont ramené parce qu'ils avaient des fantasmes de maternité. Il est évident, quand on a été acheté en promotion, comme un chat, comme un petit chien, il est évident qu'on le perçoit mal avec le temps. D'ailleurs, je le connais assez bien, je l'ai largement fréquenté. Il était skin à troisième voie, dans une section qui s'appelait Jeune Garde à l'époque. Moi, à l'époque, je dirigeais une autre section troisième voie qui s'appelait JNR. Donc, nous nous sommes côtoyés. Il n'est pas resté longtemps parce qu'il avait quelques absences, il était un peu benêt.
Et en plus, il était vraiment léger, c'est-à-dire qu'il assurait pas tellement. Donc on s'est séparés. Mais je me souviens bien de ses origines. Il vivait à l'époque dans un ghetto très dur, qui est celui du Champ de Mars, un ghetto qui interdit même aux pauvres des Champs-Élysées de pénétrer. Ça vous donne un peu la teneur du personnage. Donc on apprend que notre ami Kim se lance dans un rap dès le début, hein, puisqu'il se lance dans un rap en disant qu'en 84, descente à la Kalachnikov, etc. Je ne me souviens plus des paroles exactes de cet hymne à la suppression de la musique, quelle qu'elle soit. Ce que j'apprends dans son blog, c'est que notre ami Kim, enfin notre ami Monsieur Kim, est né en 71. Et là, déjà, je m'interroge, je me dis, merde, le mec, il est en 71. Bon, étant donné, j'ai pas un doc de maths, mais 71, 84, ça devait bien lui faire 13 ans. Il nous parle de descente à la Kalachnikov dans des squats. Il y a 13 ans, qu'est-ce qu'il faisait, Kim? Il sortait de sa période chapeau, il rentrait dans sa période albator, il faut arrêter de déconner. Il n'y a ni plus ni moins que ça, quoi. Je me souviens en plus l'avoir croisé, lui qui se dit ultra-violent du haut de ses presque 1m68. Je me souviens simplement de l'avoir croisé, de l'avoir giflé. C'est pas bon, on n'est pas dans la supra-méchanceté. Mon premier sentiment, donc, mis à part le fait qu'il en fasse des tonnes, ça a été de me dire mais ce mec a une faute d'orthographe sur son t-shirt. Eh bien non, Kim n'a pas de faute d'orthographe sur son t-shirt. Kim fait partie du South Side 13 avec un C. Alors pourquoi avec un C? Je me suis un peu renseigné, pareil, Internet étant mon ami, j'ai un peu surfé ici et là. Et apparemment, maintenant, après avoir fait tout, après avoir tout fait, il se réclamerait, pourquoi du comment, du OG, pour Original Gangster, me semble-t-il, il se réclamerait d'une culture de gang chicanos. Alors pourquoi pas, bon, je ne vais pas vous dire que je connais la géographie parisienne par cœur, mais se la péter chicanos dans le 13e, ou alors membre de gang chicanos dans le 13e, c'est comme si moi j'étais Yakuza à la mode Beuvron. Ah, Rocky. Alors lui c'est le chef, c'est le leader charismatique. Alors lui, c'est du n'importe quoi. Je n'ai jamais réussi à me battre contre lui. Il courait trop vite. J'ai lu quelques anecdotes, pourtant j'ai essayé. Hein. Je me souviens, une fois, j'étais avec un ami à moi, en l'occurrence Porky. On se promène vers le palais de justice, et qu'est-ce que je vois? Kim qui rentre dans le palais de justice. Je l'attrape dans le sas de sécurité, je le gifle devant tout le monde. Pas de kung-fu, rien de Shaolin, très zen. Et je m'en vais. Bah, la police a failli m'arrêter, mais comme Porky est rentré, la police s'est calmée. 3 semaines, 1 mois après, je me promène à Sas, et qu'est-ce que je vois débouler? Une descente de Ducky Boy. Comme il n'y avait personne à Sas à part des étudiants, donc ils descendaient souvent là-bas. Et ils me croisent, moi et mon ami. Pas de chance pour moi, je venais de faire mes courses, j'avais mes sacs plastiques et mes poireaux, rien de glorieux. Et assez embêtant, parce que comme j'étais avec ma copine, je me dis, mon Dieu, ça va être difficile pour elle. Je lui dis, rejoins les trous du Bude, qui sont plus loin, et laisse-moi avec eux. Donc je les attends, parce que psychologiquement, ils ont une psychologie un peu animale, même qui est plus proche du chien que de l'être humain. Ce qui fait que si jamais tu recules, ils te courent et ils te mordent. Mais si tu restes, ils s'inquiètent. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Alors à ce moment-là, au bout d'un moment, parce qu'on se regardait en chien de faïence, moi et eux tous, c'est-à-dire 5, 6, 7 membres, Rocky a traversé la rue, en dodelinant de la tête et des épaules, en disant « Oui, il paraît que tu m'as éclaté la gueule ». Je lui dis « Non, je n'ai jamais réussi à te rattraper ». Je dis « Mais par contre, toi qui me mets la fessée régulièrement, tu vas pouvoir me la remettre ». Voilà, une part de cochère. Ce que je dis, Kim était présent, le grand Bruno aussi, d'ailleurs, ils peuvent le certifier. Hein. Si on parlait dernièrement avec eux, avec Domino et d'autres qui sont dans ce DVD, et ils s'en souviennent très bien. Je dis, bon, évidemment, pas dans une porte cochère, t'es armé, je dis non, ce qui est d'ailleurs stupide. La police, je dis non, il n'y a pas de problème dans une porte cochère, je porte pas plainte, il ne veut toujours pas. Et puis là, il a une idée. Grand Bruno étant, a priori, vu son surnom grand, il dit, bats-toi contre lui. Déjà, j'avais embrouillé Grand Bruno une semaine auparavant, et on l'avait laissé tranquille parce qu'on était en surnom. Je dis, n'abuse pas, il laisse. Il dit à Kim, bats-toi, parce que bon, c'est quand même... Il a fait 6 mois dans un monastère Shaolin, quand même, hein, le mec, hein. Non, on est quand même plus proche de Point Chunken, tu sais, que de l'être humain. Et il dit, bats-toi.
Donc, justement parce qu'il t'a mis une gifle. Oui, putain, c'est dégueulasse, tu m'as giflé devant ma mère. Et c'est vrai que je me suis excusé d'avoir giflé quelqu'un devant sa mère parce que les parents n'ont pas à être témoins de ça. Mais par contre, je lui ai dit, maintenant nous sommes seuls, on peut régler ça. Non, Kim, encore, était très zen. C'est bien les arts martiaux parce que ça vous donne une certaine tranquillité. C'est énorme parce que moi, j'étais très rue et assez agressif à l'époque. Tout le contraire d'eux. Au bout de 5-10 minutes de ces discussions stériles, à moi seul contre 7-8, ils me disent, on est des sauvages, on va tous te tomber dessus. Je dis, c'est facile quand on est 7-8, mais vous êtes souvent aussi seul et ça pourrait vous retomber dessus. Ils se calment. C'était des larves. La grande différence, je pense, entre l'extrême droite et nous, c'est que nous, on chassait l'extrême droite. Quand je venais tout au début à Paris, je connaissais pas du tout. Moi, je descendais de Reims et j'allais au Dark Side. J'ai rencontré Serge, et sa bande et les gens qui l'entouraient. Et j'ai pas senti de tension, j'ai pas vu de gens qui descendaient. Il y avait pas de descente, il y avait pas d'antifa dans la rue. J'étais souvent tout seul et à pied. La plupart du temps, on était vraiment deux ou trois où j'étais tout seul. Je me suis fait jamais chasser. Quand j'étais là-bas, la porte était ouverte. On discutait, ça finissait tard. On allait dans la rue, on sortait. Je rencontrais d'autres skins de Paris et de la région parisienne. On n'a jamais été chassé. Quand j'étais dans le Dark Lord ou au Dark Side, il n'y avait pas de descente régulière. J'y allais souvent. C'était un point de repère et de ralliement. On avait des gens qui étaient très bons. On n'a jamais pris de branlée à proprement dit. Jamais à main nue. Ouais, jamais à main nue ou jamais un nombre égal et conséquent. Et lorsque la revanche se faisait, généralement, quand tu te retrouvais au même nombre, ça détalait plus vite que... Ça fondait comme neige au soleil. C'était la beauté. Ben, nous, on faisait de la boxe, il y en a qui faisaient de la course à pied, quoi. Voilà. Donc, clairement, dans la rue, il n'y a rien entre 90 et 2000. Des amis proches de ci, de là. Et moi, tous les gens que je connais qui sont proches de moi, il n'y en a aucun qui vous dira, putain, je me suis fait exploser la gueule par des rouges. En même temps, attention, je ne vais pas vous dire, on les terrorisait et tout, c'est pas forcément vrai. On les chassait pas. Quand on tombe dessus, on tombe dessus. Mais c'est tout, on n'a jamais été chassé. Pour être franc, dans cette petite guerre, vraiment petite, ils ont quand même essayé de nous attaquer. Ce serait mentir que de le nier. Je me souviens, moi, personnellement, de trois attaques dans nos locaux et nos boutiques. La première s'est soldée par 11 douilles ramassées par terre par la police. Je m'en souviens parce que on a vu que leur cul. Ils nous attaquent, je n'ai pas vu leur tête, je n'ai vu que leur cul. La deuxième, je m'en souviens, était plus importante. Ils ont cassé notre porte, lancé un cocktail Molotov à l'intérieur de notre local, qui, bien sûr, à la mesure des personnages, ne s'est jamais allumé. Mais nous, à contrario, on a répondu par un coup de feu à travers la porte. On les a coursés, alors que nous étions trois, qu'ils étaient un bon nombre, jusqu'à Gare de l'Est. Il faut savoir que notre local était à Mont-Sergent. La troisième est beaucoup plus amusante. J'avais ma première boutique à Denfert-Rochereau, rue Lalande, et ils décident de nous attaquer. Pour ça, ils se scindent en deux groupes. Bien. Ils n'ont jamais réussi à atteindre même ma rue. Quand la police est arrivée pour les dégager, ils étaient réfugiés sous les voitures et hurlaient. Cela montre à l'évidence que ce combat n'est pas celui qu'ils disaient. On n'a jamais eu trop de problèmes, hein. Parce que les bandes, on les a jamais vues venir vers nous, quoi. Les bandes adverses. Donc, en tant que JNR, on n'a jamais eu de problème. Ben, les Redskins de l'époque, ça me fait un peu marrer, parce que je les ai jamais vus non plus. Ou alors de dos, en courant. Oui, c'est... Ouais, c'est rigolo. Venant de leur part, c'est rigolo. D'après ce qu'on me dit, c'est un tout petit qui m'arriverait à la ceinture. Donc, je sais pas, c'est un schtroumpf qui m'a mis dans le coma. Me faire mettre salement par des schtroumpfs, je sais pas. C'est un peu dur quand même. Être skin, ça se mérite. Être rouge,
Ça s'achète aux puces, ça s'achète dans les commerces, ça se fabrique en squat, c'est pas trop dur. C'est très, très simple et très facile de dire 20 ans après, sur Internet, avec des amis tout autour, qu'on a été un guerrier. Mais je tiens à signaler qu'on pourrait ne pas me croire, on pourrait dire que comme eux, je mens. Je vais vous en donner une preuve. Ces gens-là, et ils l'ont eux-mêmes montré, ne pensent qu'à me détruire, moi et mes amis. Ça fait 26 ans que je suis là. Et je suis toujours là. Ce sont des guerriers, des conquérants, des victorieux. Et je suis encore et toujours là. C'est la preuve vivante, je suis la preuve vivante, que c'est une horde de pipeaux. En 90, à la braderie de Lille, alors que pendant deux jours, les nervis du fascisme avaient, c'est un peu comme ça qu'on s'appelle, qu'on serait qualifié, ou les sales nazis, enfin peu importe comment on nous qualifiera, peu importe comment ils étaient qualifiés, ont tenu donc clairement deux jours à la braderie de Lille un stand sur le pavé, hein, le stand du choc du mois. Et à la fin, quand ils ont tout replié, ils ont été voir les gens de la section carrément anti-Le Pen, donc des gens qui étaient clairement et radicalement opposés au fascisme. Et en plus d'être opposés au fascisme, c'est des gens qui devaient avoir énormément de temps libre pour pratiquer des sports tels que l'athlétisme, parce que vu la façon dont ça s'est passé, ceux qui n'étaient pas de réels athlètes ont toutefois tout de même pu aller porter plainte. Ce qui est quand même assez singulier pour des gens qui crachent sur le système. On tourne quand même à la légende urbaine. Hein, on coupe des doigts, des mains, des actes de barbarie en français plus ou moins approximatif. C'est du plus profond ridicule. Ils cherchent à convaincre qu'il y ait des enfants de 8-12 ans. À qui s'adresse ? Le mouvement de chasseurs et de redskins et de tous ces antifas, comme ils se dénomment, est constitué essentiellement de petits fils de bourgeois qui ont des problèmes d'ego avec leur famille et qui luttent contre eux-mêmes, contre leur famille, contre leur nation, contre leur culture. On est dans une espèce de schizophrénie. Le Pen, à Saint-Cloud, c'est une merde. Il nous fait chier, c'est un fasciste. Mort à Le Pen, mort à Le Pen. Ils vivent par rapport à nous. En vérité, pas véritablement contre. Ils ont un sentiment plus subtil, plus aigre-doux, qui est celui, en vérité, de la fascination-répulsion. En effet, ce syndrome qui est bien connu, c'est celui des groupies, quoi, de ces jeunes filles qui vont à Tokyo Hotel en hurlant pendant des heures, pendant la queue, pour avoir le droit de regarder leur idole et que peut-être leur idole les remarque. Et à la fin du concert, leur idole vénérée ne les a pas remarquées, elles sont très tristes, elles leur en veulent, elles le détestent. Et bien voilà cette fascination-répulsion, voilà ce que sont pour moi tous ces anti-skins. Ils nous ont combattus parce qu'ils ont combattu en nous ce qu'ils auraient voulu être. Ils n'ont jamais eu d'identité. Nous en avons une. Nous en sommes fiers. Nous la revendiquons. Et ils nous en veulent pour ça. Domino, appelé aussi Petit Seb, que je connais, m'avait révélé dans une discussion qu'en tant que métis, il avait très mal pris le fait de ne pas être accepté comme français. Il avait eu donc du ressentiment. Je me souviens d'ailleurs l'avoir croisé une fois au hall. Il était avec sa petite amie. Je lui ai demandé de se battre. Il m'a sorti un couteau. J'ai dit qu'on se battait quand même. Il est parti en courant chercher, bien sûr, un peu de renfort en oubliant sa copine. Donc ça nous montre bien que les halles n'étaient pas une terre interdite aux skins et que la présence anti-skin et anti-fa n'était pas aussi violente qu'on nous l'affirme. Et d'ailleurs, quand on analyse bien ses propos, il le dit lui-même, il se sentait plus skin que les skins. À défaut d'être un vrai Français, en tout cas d'être reconnu en tant que tel, il voulait être plus skin que les autres. Ils ont eu la tentation plutôt de s'allier avec d'autres bandes qui s'appellent les Zoulous. C'était un problème beaucoup plus important pour nous à l'époque, parce que c'est un mouvement de masse, un mouvement de jeunes. Leur projet n'était pas stupide, c'était de s'allier avec des gens qui pouvaient s'opposer à nous d'une façon violente parce qu'ils pensaient qu'on luttait contre leurs propres intérêts. Quand on analyse bien, et c'est pour ça que ça n'a pas marché, mais c'est pour ça que ça a été en fin de compte très anecdotique et pas, ça n'a pas été continuel,
On s'aperçoit que ces jeunes extra-européens, qui sont-ils ? Les jeunes gens qui s'opposaient à nous parce que, comme on était fiers de nos origines, eh bien, ils pensaient qu'on était donc systématiquement opposés à eux, et eux, comme ils sont fiers de leurs origines, nous combattaient. Ce que je trouve d'assez dommage au niveau de ces populations, c'est le manque de réflexion sur les choses. Ça veut dire on prend l'information telle qu'elle est diffusée par les médias et on s'en contente. Analysons bien, leurs parents ont été déportés ici pour travailler, pour être exploités. Eux-mêmes sont déracinés. Et en fin de compte, ils sont fiers d'être algériens, maghrébins, africains, à raison. Avec le seul problème, c'est qu'ils ne sont plus chez eux. Généralement, ils restent dans un certain matérialisme. Donc, ils regardent la télé leur dit « ça c'est noir, alors bon, on va pas chercher, si la télé nous a dit ça, c'est que c'est vrai, quoi. » Très rapidement, nous avons compris que comme ils étaient, comme nous, victimes de l'immigration, eh bien, nous avions le même combat. Et c'est vrai que souvent, dans ces années-là, quand je rencontrais des bandes de Zoulous et qu'on arrivait à discuter, on tombait d'accord. Si les gauchistes ont pu relever la tête, c'était après la répression policière et après que le nettoyage ait été fait au niveau de la police. Je tiens à préciser que si je parle à visage flouté, c'est que j'ai un emploi, j'ai une vie de famille, etc. Et que les gens comme moi qui militent ou qui ont milité sont sujets à divers problèmes, notamment répressifs, concernant la police, hein, bien évidemment, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Être skin, c'est une implication H24, par son look, par son attitude, le skin est l'antithèse du poisson dans l'eau. C'est tout de suite ce qu'il pense. Donc déjà, ça implique une volonté d'affirmer ses idées, qui est forte, et normalement, une certaine force, si ce n'est morale ou moins physique. Tout le monde sait évidemment que quand on exprime nos idées en France, surtout en France, la liberté d'expression est muselée. Eh bien, si un skin, un nationaliste, dit ce qu'il pense, il a de fortes chances d'aller en prison. Ce qui nous a tués, véritablement, c'est la médiocrité ambiante. Ça veut dire que les petits gauchos qui venaient à notre rencontre, tout hurlant, plein d'ignominie contre la bête immonde, après quelques baffes, partaient en pleurant et bien ajustés dans leur tarin. Morveux qui couvait, aller voir la police et tous ces séides. Et qui détestait tant. Oui, et qui détestait tant d'ailleurs, qui est un fasciste, est un policier, combien de fois nous l'avons entendu, et aller porter plainte contre nos modestes personnes. Tout le monde sait très bien qu'on a passé notre vie en tant que skin en garde à vue, et parfois on en sortait au bout de 24 ou 48 heures. Ça, c'était les chanceux. Moi, personnellement, je dois avoir à peu près 25 condamnations. Avec toutes, bien sûr, les amendes qui vont avec, et les avanies. Et il y en a d'autres qui ont subi bien plus que moi. Il suffit d'en parler à quelques-uns qui vous expliqueront, ou même qui ne vous expliqueront rien du tout, rien qu'à la vue de leur casier, vous apercevrez rapidement que ceux qui gênent la police ont des soucis. Ceux qui la gênent moins, en tout cas, peuvent se permettre de faire des raps dignes de Benebi. J'ai été condamné pour violence. Donc, normalement, j'avais pas le droit de partir de Lorient, et je suis parti quand même. Donc, il y avait un avis de recherche nationale sur moi, et si je travaillais pas, je faisais 4 mois ferme. Le jour où le stand des antifascistes radicaux du Scalp s'est fait attaquer, ils ont tous déposé plainte, ces braves gens. Ils ont tous déposé plainte, ils ont tous été témoignés. Néanmoins, la police, c'était quand même fasciste. Donc voilà, donc peut-être qu'à Paris, effectivement, ils sont tombés sur un ou deux policiers fans de National Hebdo, mais la majorité, c'était pas ça. Et depuis, ça n'a certainement pas été ça. Une fois, je m'étais fait arrêter où un gendarme, il a vu que j'avais un soldat allemand sur le bras. Il m'a fait passer au tribunal 2 fois. Et tous les jours, il venait chez moi voir ce que je faisais. Il m'arrêtait tous les jours en voiture.
Et donc c'est pour ça qu'après j'étais obligé de partir, quoi. Donc c'était, je pouvais plus rien faire. Je pourrais vous parler de condamnations de gens qui ont pris 6 mois de prison pour une journée d'ITT, parce qu'on peut même parler d'agression. J'en passe et des meilleurs. Bah justement, avec toutes les histoires qu'il y avait, les bagarres, ça tapait dans tous les sens, bah, à force les mecs de se faire arrêter, sur la prison, bon, bah, après, petit à petit, ça se calme, quoi. Et puis là, après, ils ont commencé à faire des lois, et donc la répression était un peu plus grande, quoi. 89-90, c'est le début de la répression antinationaliste, anti-blanche en France. Qui est l'apogée de cette répression, c'était le vote de la loi Fabius-Guesso en 1990, qui est pour moi l'archétype de la loi anti-française, anti-liberté d'expression, anti-liberté de pensée. C'est d'ailleurs une loi qui a servi de modèle en Allemagne, en Suisse et dans plusieurs autres pays. En 90-91, j'ai fait 2 fois 4 mois de prison pour des délits de presse. Bon, c'était de la prison en semi-liberté, parce qu'à l'époque je travaillais, comme c'était des délits de presse, j'avais le droit à la semi-liberté. Mais en 92, là j'ai fait 8 mois de prison aussi pour un délit de presse. J'avais fait 6 mois de prison, dont 3 mois à Fresnes, un super milieu où on rencontre la société multiculturelle et pluriethnique du futur. Et ensuite, en sortant de Fresnes, j'étais à nouveau poursuivi par Patrick Gobert, qui était l'éminence grise de Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Il nous avait poursuivis, moi et Michel Lajoie, parce que Michel Lajoie avait écrit un article où il lui reprochait d'être indirectement, mais à peu près, quand même, responsable de la mort d'un historien non-conformiste breton. Il y a un arsenal qui aujourd'hui, s'il est voté très prochainement, devrait interdire et ne plus permettre l'expression du racisme. J'avais pris à nouveau 6 mois de prison, comme j'en avais marre d'aller visiter la France du futur, aux frais de l'État, j'ai décidé de m'exiler. Et en fait, début 93, je suis parti, et en fait, depuis 15 ans, j'ai plus remis les pieds en France. Quand tu as un idéal, tu dois t'attendre à prendre des coups et tu dois t'attendre à en donner. C'est une logique. À partir de 2000-2001, j'ai recommencé à avoir des problèmes avec la justice qui ne voulait pas me laisser m'exprimer librement, ou même quand je ne m'exprimais pas directement, je trouvais toujours quelque chose pour me condamner. Par exemple, j'ai été à nouveau condamné à 6 mois de prison et 5 500 € d'amende, simplement parce que mon nom figurait sur un site internet de l'Église aux États-Unis. Jusqu'en 2010, je suis interdit de territoire en France. Pas officiellement, bien sûr, j'ai toujours la possibilité de rentrer en France. Personne ne me l'interdira, je ne suis pas en exil. Mais si la police me contrôle et reconnaît mon nom, je suis soit obligé de payer 5 500 € d'amende, hein, soit de faire 6 mois de prison. Parce que maintenant, en fait, comme on habite, on vit dans une dictature molle, hein, ce que j'appelle une dictature molle, les gens ne veulent plus avoir d'opposants. Quoi, hein. Les opposants, ça ne les intéresse pas aussi. Ou alors les opposants au système, comme les stars du show business, ça les intéresse. Les vrais opposants politiques qu'on envoie en prison, ça ne les intéresse pas, parce que normalement, on habite dans une démocratie. Donc ce qu'ils font, soit ils nous disent, ben maintenant, va falloir que vous, la moitié de votre salaire, vous allez le verser au gouvernement pendant les 5 prochaines années, ou vous allez faire un petit tour dans un de nos centres de retraitement et de rééducation des malpensants. La police nous arrête, la justice nous condamne, la justice nous incarcère. Et à la fin, parfois même, la police nous tue. C'est un problème beaucoup, beaucoup plus grave, à mon avis, plutôt que des petites guerres avec des Redskins qui n'ont rien amené. L'extrême gauche, à contrario, bah, écoutez, si elle veut faire un festival, bah, elle est subventionnée par la ville. On lui donne les locaux. Elle ne subit pas de lobbying des gens bien intentionnés. Nous, on ne peut pas. Tout le monde sait, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, Chirac interdisait nos concerts, officiellement, pas les leurs. Alors, je ne comprends pas, ils sont anti-système, anti-capitaliste. Et Chirac n'est pas quand même le symbole vivant
de la révolution en marche, ben, les laisse faire. Nous avons donc d'un côté le grand Satan Serge Ayoub et de l'autre côté l'apôtre de l'antifascisme, de l'anarchisme, de l'altermondialisme, de l'anticapitalisme, Julien Tercic. Julien Tercic, qui est propriétaire de son bar, enfin en tout cas qui travaille dans un bar, et Serge Ayoub, qui lui est, travaille dans un bar associatif. Je trouve quand même qu'il y a un non-sens, on aurait pu penser que c'était un peu le contraire. Néanmoins, est-ce qu'on peut être étonné quand on voit que ce DVD est distribué au Virgin ou à la FNAC? Quand on voit que le dénommé Julien Tercic fait également partie de Brigada Flores Magón, qu'on trouve également à la FNAC, je lui conseille, mais pas dans un but mercantile, hein, c'est que la propriété c'est du vol, hein, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler de qui est cette phrase, je lui conseille comme prochaine étape, ou de tenter la Starac, après tout pourquoi pas, ou alors encore mieux de vendre un de ses titres à McDonald's afin qu'on puisse le retrouver, il y a un morceau de Brigada Flores Magón dans les prochains Happy Meal. Aujourd'hui j'ai 40 ans et puis d'autres, on est la preuve qu'on peut durer dans le mouvement et garder ses idées et avoir être chef d'entreprise, avoir une femme, un enfant et être toujours là et toujours se battre pour ses idées, quoi. Moi, vers 95, je suis parti en Afrique, j'étais mercenaire pour Bob Denard. Et j'ai pas quitté la rue parce que j'ai été chassé, je suis parti travailler à l'étranger, je me suis engagé vers d'autres choses. Les conséquences, il y en a eu des bonnes et des mauvaises. Les mauvaises, c'est que j'ai fini en prison, et, enfin, je me suis fait arrêter, j'ai fini en prison pour le coup d'État qu'il y a eu aux Comores. Après, j'ai fait d'autres choses, il y a eu des bonnes conséquences et ça m'a ouvert des portes pour plein de boulot. Je suis devenu garde du corps, je suis parti à l'étranger, j'ai fait plein de voyages. Et si on n'est plus dans la rue, on est toujours là maintenant. J'ai tout le temps les mêmes amis, j'ai pas changé, je suis toujours pareil. J'oublie pas ce que j'ai été. Et le mouvement skin et les années skin, ça a été une bonne période pour moi. Ça m'a permis d'accéder à autre chose, de faire d'autres choses. Je me suis pas arrêté là. C'est la continuité de... C'est la continuité. Et maintenant, même si je suis plus skin, je vois tout le temps les mêmes personnes et j'ai tout le temps les mêmes amis. Et ça reste et ça sera comme ça. Je vais pas changer du jour au lendemain, c'est ma vie. On doit se faire plus discret. La discrétion, pour vivre heureux, vivons discret. Mais bon, c'est une belle histoire d'amour entre nos idées et nous. Et finalement, à partir de ce moment-là, on est obligé de calmer l'apparence. Ce qui, dans un certain sens aussi, enlève un certain folklore. Mais en même temps, je dirais, c'est un peu renier nos principes de jeunesse. Le look était fédérateur, quand même, au départ. Ouais. Mais si c'est juste être belle par rapport à son look, quoi, ça sert à quoi? Ouais, je me dis pas comme les autres, je suis un rebelle. Ok, s'il n'y a rien derrière, c'est quand même extrêmement peu intéressant. Je pense qu'on a vite fait de tourner en rond. Pour le reste, bah, chacun voit midi à sa porte. Comme je dis, hein, si ton truc c'est ça, c'est ben voilà, t'es bien, tu te rases le crâne, tu fais la fête tous les week-ends, et voilà, et puis après, là, constructivement parlant, je pense, est-ce que c'est un objectif de vie de se raser la boule, de se mettre à Fred Perry et de vivre comme ça toute sa vie en faisant des fêtes tous les week-ends, en allant voir des concerts de groupe et en se disant putain c'était bien avant parce qu'il y avait tel groupe et tel groupe. Ben, c'est une optique de vie, quoi, je veux dire, maintenant, je dis. À partir du moment où il y a une forme de militantisme derrière, un but, des projets, quelque chose, moi je pense que c'est l'essence même de l'être humain, peut-être pas d'essayer de se transcender parce que le mot est fort, mais en tout cas de s'élever un minimum, quoi. Maintenant il faut peut-être un peu plus de discrétion, mais être plus sûr et plus assuré dans ce que nous faisons. Comme disait Blanqui, avancer petit à petit, petit pas après petit pas. Et non pas faire des grandes enjambées pour finalement se retrouver 50 mètres derrière. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, rien nous dit que demain ne changera pas. Le néolibéralisme est apparu, la nouvelle guerre de 30 ans 1914-1945 a changé les mentalités en profondeur, mais rien nous dit de demain de quoi sera fait. Un peu comme cette rivière qui coule et qui peut-être bouleversera tout sur son passage un jour ou un autre par un débordement, une crue, ou alors peut-être elle se tarira. On ne sait pas de quoi demain sera fait et il faut tout miser sur le futur, l'avenir. Je pense que face à telle merde, on ne peut pas plier, et si on doit plier par rapport au surnombre,
Léonidas et ses Spartiates aux Thermopyles doivent rester une référence pour nous. Ils risquaient la mise à mort, ils allaient pour une mise à mort, et finalement, leur comportement a fait penser à Xerxès que ces hommes méritaient bien le nom d'homme. Le nom d'homme et le nom d'ego, homoï, chez Hérodote. On a un idéal de volonté et d'honneur. Eh bien, dans ce cas-là, on ne lâche pas un maître de terrain. Donc, c'est normal, quelque part. C'est tout à leur honneur, aux militants actuels, à tous ceux qui continuent de lutter, à tous ceux qui continuent de risquer leur avenir, risquer leur vie. Parce qu'une fois en prison, bien sûr, le milieu carcéral ne leur est pas favorable. Et encore moins l'administration. C'est surtout l'administration qui est contre eux. Parce que les autres purgent des peines. Mais je trouve qu'il faut énormément de volonté, énormément de courage. Mais ça va avec nos idéaux. Nous sommes peu, nous sommes contre tous, et nous avons raison. Plus fort que tout, cette amitié qui nous unit. Plus grand que tout, ces liens qui font de nos amis. C'est avec eux qu'on a passé de bons moments. C'est grâce à eux qu'on n'a pas pu passer le temps. Plus fort que tout, cette amitié qui nous unit. Plus grand que tout, ces liens qui fondent nos amis. Alors les gars, surtout n'oubliez jamais ça. Alors les gars, où ils iront, tous on ira. Les amis, toujours en toutes les occasions, on peut compter sur eux. Quelle qu'en soit la raison, car c'est leur code d'honneur à eux. Ensemble on a vécu les mêmes galères, aimé les mêmes vies. On s'est saoulés.